Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir un nouveau logiciel qui s'appelle ClickGrab. ClickGrab est un logiciel qui vous permet de télécharger une vidéo qui est hébergée sur un site tel que YouTube, Vimeo ou Dailymotion. Pour les besoins de la démonstration, nous allons par exemple nous servir d'un article sur une page du site Un jour une actu, qui propose des petites vidéos d'intérêt pédagogique. On pourrait évidemment la lire ici directement en streaming, mais on suppose que si on veut la télécharger, c'est parce que dans notre école, la connexion Internet n'est pas de bonne qualité. Et c'est une précaution également à prendre, parce que si vous avez une coupure Internet et que votre séance démarre par votre petite vidéo, eh bien, il est bon de l'avoir téléchargé en local sur votre ordinateur. Pour cela, nous allons faire un clic droit sur ce cadre et nous allons faire afficher le code source du cadre. On voit ici qu'on a un lien que je vais copier qui nous indique que en fait cette vidéo est hébergée sur le site Vimeo. Eh bien, nous allons démarrer ClickGrab. Je vais coller ici, dans cet espace, vous voyez, la vidéo. Il me trouve le titre. Je peux garder ici, au niveau du format, l'original, ou je peux également le convertir. Vous voyez qu'on peut aussi extraire uniquement l'audio de la vidéo. Et puis ici, on peut choisir la qualité. Ici, on a un bouton télécharger, mais avant de télécharger, je vais me rendre dans Paramètres pour indiquer ici avec le bouton Parcourir que je souhaite enregistrer la vidéo sur le bureau. Je reviens à mon onglet Téléchargement, je clique sur Télécharger cette vidéo. Je vais lui donner le nom Pourquoi faut-il économiser l'eau, j'enregistre et vous voyez, ça y est, c'est téléchargé. Si je me rends sur le bureau, la vidéo est sur le bureau. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme... Alors, on aurait pu également télécharger cette vidéo en passant par l'onglet Chercher. Pourquoi? Parce que ici, on peut rédiger une requête du style un jour une actu. Et puis, on va mettre par exemple le mot eau. Et vous voyez qu'on a trouvé ici toutes les vidéos hein, qui sont sur ce site. On va choisir celle-ci puisque c'est celle sur l'eau qui nous intéresse. On clique dessus. L'onglet téléchargement s'ouvre avec ici l'adresse de cette vidéo. On va prendre ici le format original, la qualité la plus élevée, c'est-à-dire 1080 pixels, et nous allons télécharger cette vidéo. Vous voyez, ça prend très peu de temps. Le logiciel vous indique ici que tous les téléchargements sont finis. Il suffit d'ouvrir le fichier de destination et on a ici notre vidéo sur l'eau. À bientôt pour un autre tuto.